Alors, la définition la plus classique, on fait un syndrome, avec des guillemets, en trois dimensions. J'insiste sur la présence simultanée des trois dimensions. Premièrement, un sentiment généralisé de fatigue, d'épuisement, notamment émotionnel et physique. Deuxième dimension, la perte du sentiment d'accomplissement personnel, donc le fait de ne plus s'éclater au travail, de ne plus se réaliser, de ne plus s'épanouir au travail. Et troisièmement, l'apparition d'un phénomène de cynisme, de déshumanisation de la relation à la fois aux autres, aux collègues, aux patients, aux clients, aux usagers du travail d'une façon générale, aux bénéficiaires du travail d'une façon générale, parfois à soi-même, et même déshumanisation de la relation au travail, avec un T majuscule, donc au concept de travail. Donc tout cela aboutit à un désengagement massif du sujet vis-à-vis de son activité professionnelle. Ça, c'est pour la définition classique. En trois dimensions, je le répète, importante parce que ça conditionne l'épidémiologie. Certaines personnes ont tendance à penser qu'on peut restreindre le burn-out à la seule dimension de l'épuisement, ce qui conduit évidemment à un nombre de personnes en burn-out qui est extrêmement plus élevé que si vous ajoutez les deux autres critères. Si j'utilise un seul critère, la fatigue, j'arrive à 40-50 personnes de la population qui est en burn-out. Si j'ai les trois critères, j'arrive plutôt à 5, 6, 7, 8% de la population, ce qui en soit déjà important. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le burn-out doit être, à mon sens, distingué d'autres pathologies ou entités cliniques. La dépression, en premier lieu, dont dans certaines études, on pense qu'elle recouvre 90% des cas de burn-out. 90% des cas de burn-out. La distinction se ferait sur le fait que le burn-out n'affecterait que la sphère professionnelle, tandis que la dépression affecterait la totalité des sphères de la vie, donc vie perso, vie familiale, évidemment vie professionnelle, vie sociale, etc. Deuxième entité clinique qu'on peut retrouver en milieu du travail, c'est le stress post-traumatique, en raison d'agressions physiques, verbal, en raison d'atteintes au narcissisme qui peuvent prendre une tournure lorsqu'ils sont répétés, un petit peu traumatiques. Troisième entité qu'on peut retrouver, le workaholism, qui est cette addiction au travail, cette compulsion à travailler toujours plus sans jamais y trouver de plaisir, ou en tout cas en y trouvant un plaisir assez minime et de très mauvaise qualité, qui évidemment est un facteur en soi de burn-out, mais qui est une vraie compulsion au sens psychiatrique et qui doit être traitée comme une addiction, donc par un psychiatre. Qu'est-ce que je peux citer comme autre forme d'épuisement? La fatigue compassionnelle, qui est une forme particulière de burn-out, qui va ajouter à aux trois dimensions du burn-out la dimension traumatique, notamment chez les professions qui traitent des patients, par exemple, blessés, psychiquement ou physiquement, travailleurs humanitaires, médecins, travailleurs sociaux, dont on a souvent dit qu'ils étaient très très enclins au burn-out. La spécificité, c'est ce facteur traumatique indirect qu'on ne retrouve pas dans le burn-out et qui apparaît dans la fatigue compassionnelle. Voilà pour les principales entités cliniques, mais il y en a d'autres. Alors, plusieurs niveaux de lecture à cette question. Parmi les facteurs organisationnels, un certain nombre de modes de management, parfois présentés comme toxiques, très autoritaires, ou au contraire trop laxistes, par exemple le lean management, très exigeant en termes de cadence de travail, de restitution, de rapport d'activité, de normes de qualité élevées, premier point. Deuxième élément, complètement à l'inverse, les institutions ou les organisations de travail qui sont là aussi laxistes, mais avec un contenu de travail qui est très flou, voire inexistant, à la limite de la sous-charge de travail. Je sais que c'est politiquement incorrect de répondre comme ça, mais dans un certain nombre d'organisations de travail, les gens sont en sous-charge de travail parce qu'ils se trouvent perdus dans des espèces de trous noirs organisationnels, pris dans un groupe de projets dont on ne sait plus très bien qui le pilote, ou entre deux patrons dont on ne sait plus très bien à qui on doit rendre des comptes. Et donc il y a un phénomène d'ennui qui se manifeste, d'ennui par sous-charge de travail,
ou bien d'ennui par désintérêt du travail en soi, passer son temps à remplir des tableaux Excel ou des indicateurs sur un ERP, finalement c'est pas très intéressant, or on constate que c'est ce que font un certain nombre de gens de plus en plus fréquemment, et qui les conduit à se... ou qui les détourne plus exactement du cœur de leur métier, celui qu'ils ont choisi, et qui finalement les conduit à s'ennuyer prodigieusement au boulot, et là à développer un burn-out. Là où c'est paradoxal, c'est que cet ennui ait les mêmes caractéristiques que le burn-out, qui est plutôt une pathologie de suractivité. C'est paradoxal parce que pour compenser l'ennui au travail, certaines personnalités se créent des activités factices. Être sympa avec tout le monde, arroser les plantes vertes de tout le service, changer le papier des bacs de photocopieurs, des tâches qui ne sont pas dans leurs prérogatives. Et qui font avec tellement de cœur qu'au bout de la journée, ils sont épuisés. Donc on a par ennui, le développement d'un syndrome de pseudo-burnout, qui a évidemment les mêmes symptômes, et qui est assez paradoxal. Il y a aussi une deuxième dimension à prendre en compte, qui est celle du collectif de travail. Sont des facteurs de prédisposition au burnout, les collectifs de travail, qui sont en déliquescence. Lorsque le soutien social n'est pas assez fort, c'est-à-dire lorsqu'il ne sert pas de ressource à l'individu qui est placé dans une situation de stress chronique, lorsque la compétition entre les individus est trop soutenue, lorsque le climat, l'ambiance de travail sont pernicieux, sournois, lorsque les gens ne peuvent pas s'appuyer les uns sur les autres et partager éventuellement par le dialogue, par la confrontation d'idées, par différents éléments de conversation et de cordialité, alors ces milieux sont davantage à risque de burn-out que les autres. Et puis il y a une troisième sphère qui interfère avec les deux autres, qui est la personnalité de chacun d'entre nous. On sait par exemple que des personnalités obsessionnelles, méticuleuses, perfectionnistes sont enclines au burn-out, tout simplement parce qu'elles ne savent pas s'arrêter dans la tâche qui est la leur. Le deuxième élément, c'est celle de la perte de contrôle. Plus je pense que mon environnement professionnel, privé, est sous mon contrôle, ou que j'ai un contrôle sur lui, moins je suis enclin au burn-out. Ça peut évoquer ce que disaient les stoïciens dans la vie, il y a des choses qui dépendent de soi et d'autres qui n'en dépendent pas. Donc polarisons-nous sur ce qui dépend de nous. Là est le candidat à l'anti-burn-out, j'ai envie de dire, et ce qui ne dépend pas de moi, il faut que je m'y résigne. Alors, réponse en deux temps. Au niveau organisationnel, j'ai envie de répondre que il faut sans doute se poser la question de la pertinence d'un certain nombre de modes de management. Gestion par projet, réunionite permanente. La question se posera sans doute de l'utilisation des moyens de téléphonie mobile, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et de leur usage à bon escient. Ce qui me semble important de souligner, c'est que un outil de prévention important en termes de burn-out, c'est une scission sévère, drastique, entre la sphère perso et la sphère professionnelle en matière de communication électronique. Et dans les deux sens. J'insiste sur « dans les deux sens ». Souvent, on entend dire, ce qui est vrai, que avoir à sa disposition sa boîte électronique en permanence et en dehors des heures de travail est un facteur de burn-out. Oui, ça empêche de déconnecter. Oui. Donc, les entreprises, ce sera leur responsabilité sur ce point-là, doivent s'enjoindre, j'ai envie de dire, à préserver le temps libre de leurs salariés. À l'inverse, nous avons tous un téléphone mobile et une boîte à lettres électronique perso. Ça, ce sont des facteurs de déconcentration permanente au travail. Et j'insiste sur le fait que la sphère perso vient aussi empiéter sur la sphère professionnelle et que c'est mauvais pour la santé psychique des salariés. Ça le déconcentre, ça crée en lui éventuellement du souci, au souci qui va venir perturber son attention, sa concentration. Il sera plus là au travail, il sera ailleurs,
Alors, on peut concevoir qu'il ait ses enfants à gérer, éventuellement ses parents âgés malades à gérer aussi, mais hors situation d'urgence, je pense que le téléphone mobile doit être déconnecté, et la boîte à lettres électronique aussi, au bureau, et réciproquement. Alors, on a du coup glissé dans ce qu'on peut faire à titre individuel. Moi, je prône vraiment, dans tous les cas de figure, de maîtriser son hygiène de vie. Le conseil est basique, mais alimentation équilibrée, pratique d'une activité physique, permettent quand même de ménager son corps et de servir d'exutoire en termes d'énergie par rapport à la sphère professionnelle. Il y a un autre élément qui me semble devoir être souligné, c'est l'attitude qui consiste à chercher à tout prix à ne pas s'enliser dans une attitude de culpabilité. Et pour ce faire, ne pas hésiter à en parler autour de soi. Dès qu'on sent qu'on adopte des comportements qui ne sont pas habituels, en tout cas dont on pense qu'ils ne correspondent pas à sa propre personnalité, c'est-à-dire, en d'autres termes, quand on ne se reconnaît plus tout à fait dans ce qu'on est en train de faire ou de dire, alors on a là un signal d'alerte fort. Donc, ne pas hésiter à en parler à ses collègues, à son manager, éventuellement à son partenaire de vie. Ça permet d'engager le dialogue et éventuellement le débat sur le travail. Ceci dit, je crois qu'il ne faut pas dramatiser la situation sur le burn-out. On sait que c'est un processus d'installation graduelle et qu'en étant conscient des signes qui peuvent l'annoncer, c'est-à-dire en se connaissant parfaitement, en sachant déceler les changements d'attitude qui se manifestent en soi, on a tous les moyens, me semble-t-il, de le prévenir sans non plus qu'il devienne une angoisse de tous les jours.